bleuâtre, et part comme des mouches sur son visage, et ses bras, ses cheveux noirs soigneusement nattés, s'échappent d'un foulard éclatant, noué à la façon des femmes créoles des Antilles. Des voiles de gaze blanche entourent son col, et le bas de son visage, remontant sous sa coiffure comme les voiles de la Rebecca d'Ivanoé. Ses mains fines et blanches sont chargées de bagues. Elle porte des bracelets, des épingles, des bijoux plus qu'une idole antique. Fatma est une espèce d'idole, d'une tête assez belle, mais tatouée sur tout le corps, et d'un embonpoint tellement prodigieux, que quatre hommes ne pouvaient l'aider à marcher. Tous les soldats criaient « place à la reine de Pamar » et faisaient sur son compte mille bonnes ou mauvaises plaisanteries. Le lendemain, on lui rendit la liberté, mais du moment où elle est entre nos mains, toute résistance cessa. L'historien Georges Duby décrit Lalla Fatma N'Soumer comme « la grosse et volumineuse beauté, la Véléda, prophétesse germanique ». Lalla Fatma N'Soumer est issue d'une famille puissante et respectée. Vivant recluse dans sa chambre, elle prie jour et nuit, officie les cérémonies et s'occupe des pauvres. Appartenant à la confrérie Ramania, elle est considérée comme prophétesse berbère, guide d'une tarika soufie, mystique musulmane. La venue de troupes légionnaires françaises dans la région, et dominant en maître, le chef kabyle Chérif Boubagla, embrase la région. Lalla organise l'insurrection, en collectant les denrées nécessaires aux insurgés. Petite et massive, elle croit en sa bonne étoile, et en son pouvoir céleste. D'après les témoins lors de sa capture, elle paraît hautaine et arrogante sur le pas de sa porte, et avec un regard presque menaçant, elle écarte les baïonnettes des rois français, pour se jeter dans les bras de son frère, Mohamed Sidi Tayeb. Son frère, Marabout, couvert de cicatrices de guerre, est un guerrier brave, combatif et défenseur des libertés. Il s'engage dans la résistance contre la colonisation des troupes françaises. Consulté comme sage, d'une filiation vénérée et émancipée, appartenant à une famille de marabouts de la tribu des Ililten. Une statue de Lalla Fatma N'Soumer a été réalisée par Baziz Amash à Tizi El Jama at Biyuzef. Son nom a été donné à un méthanier de gaz naturel liquéfié de la marine marchande algérienne, d'une capacité de 145 000 m3, réceptionné en 2004 à Osaka au Japon. La vie de Lalla Fatma N'Soumer a fait l'objet d'un film de Belkacem Hadjadj, sorti en 2014. Des statues de Lalla Fatma N'Soumer sont exposées en Algérie. Quelques écoles et rues portent son nom en Algérie. Une rue de Bruxelles porte son nom depuis 2020. Le lycée mixte de Tablat porte désormais son nom.